Bonjour, nous sommes sur PyCon 2014 à Montréal. Nous sommes avec Roberto. Bonjour Roberto. Bonjour Jonathan, ça va bien? Ça va, très bien. Excellent. Ouais. Cette année, eWeb est un des sponsors majeurs de l'événement. Qu'est-ce qui vous a poussé à supporter cet événement? Bien, Python est utilisé très souvent dans notre communauté de développeurs. Alors nous, on a une grande équipe de développeurs qui utilise Python pour développer pour OpenStack. Alors on voulait appuyer la communauté de Python en faisant un sponsor pour l'événement. Oui, justement, aujourd'hui, eWeb est engagé dans OpenStack, donc c'est vraiment un projet que vous portez. Ça vous sert à quoi aujourd'hui OpenStack chez vous? On a développé un public cloud à OpenStack. Alors, nos développeurs développent en Python et ensuite, on va remettre tout le code qu'on fait à la communauté OpenStack. Alors, c'est un de nos nouveaux produits qui a été lancé depuis à peu près 9 mois et on va continuer à développer ce produit-là dans les années à venir. Vous allez voir plus de disponibilité sur l'OpenStack public cloud avec eWeb. Donc, se lancer dans un projet comme OpenStack, c'est un très fort investissement, non, dans la communauté, d'un point de vue contribution? Effectivement. eWeb a pris la décision que le public cloud OpenStack sera le futur. Alors, on travaille très fort sur ce produit-là. D'ici 2 ans, nous croyons que ce sera le produit le plus utilisé sur le monde. D'accord. Et aujourd'hui, en dehors d'OpenStack, vous travaillez sur des projets Python aussi, globalement, au niveau des services, de logiciels, ou vous êtes plus généraliste? On utilise Python beaucoup pour développer aussi nos outils internes. Alors, on utilise vraiment Python non seulement pour l'OpenStack, mais aussi pour l'interne aussi. D'accord. Et aujourd'hui, si on a envie de connaître un peu plus sur eWeb et sur OpenStack, votre choix, on va où? On a un site... On est toujours prêt à discuter. On a Raphaël Rosa, qui est notre représentant principal d'OpenStack, qui est toujours disponible pour discuter avec les clients ou les personnes qui ont des questions. Sur le site web aussi, il y a des places pour poser des questions. On a des blogs. Alors, si les clients veulent interagir avec nous autres, on est aussi présents sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Alors, les questions peuvent se poser. On va les mettre en communication avec les bonnes personnes pour pouvoir discuter de Python et OpenStack. Et oui, d'ailleurs, Raphaël, qu'on a interviewé. Et aussi, vous vous êtes engagé avec nous aussi autour de la communauté OpenStack globalement au Canada. Donc, très bien. Merci beaucoup et à bientôt alors sur PyCon. Je vous souhaite un bon show.